J'ai encore oublié de rallumer mon micro. J'ai du mal en ce moment, hein. La reprise est difficile. Donc depuis tout à l'heure, je parle, mais personne ne m'entend. Donc je disais que j'avais des problèmes de son. Vous n'avez pas dû entendre l'intro, la musique depuis le début. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Normalement, vous devez bien entendre. Donc bonjour Nadine, bonjour la chicha qui coule, bonjour Gis, bonjour Coup tes rêves, bonjour le numéro de téléphone. Voilà, voilà. Donc voilà. En ce moment, j'ai du mal à reprendre. Hein, Ah, il y avait de la musique. Ok, bah écoute, moi je l'entendais pas, donc c'était peut-être juste sur mes haut-parleurs alors. Mais moi je l'entendais pas du tout. Bonjour Calamity. Tu n'entends pas, Gis? Alors normalement, tout le monde entend là, donc peut-être qu'il faut que tu vois par rapport à ton appareil. Si tu l'as pas mis trop bas, normalement là, moi, je vois, ça marche bien. Bonjour France-Mexique. Bonjour, bonjour Steph, Pégase Steph. Donc c'est reparti, on continue ce qu'on avait commencé la semaine dernière. Alors rappelez-vous, la semaine dernière, on a commencé à coudre une culotte azur dans un tissu licorne ici pour la sortir au caleçon que j'avais fait pour mon mari avec le même tissu. Je l'ai testé donc à la recouvreuse, on a testé les élastiques à la recouvreuse et franchement au niveau des tours de cuisse, là j'aime beaucoup. Le rendu est vraiment vraiment top. Et la semaine dernière, donc on avait commencé à coudre l'élastique. Il est où mon petit bout d'élastique? Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Sauf qu'il avait été scotché à un moment donné. Donc j'enlevais le scotch et en fait il était coupé, l'élastique était coupé et j'en avais pas assez pour faire tout le tour de la culotte. Donc il y avait ce problème numéro 1. Et deuxième problème, c'est qu'il y a un des fils qui a cassé en plein milieu de la couture. Du coup, bah, j'ai tout décousu. Et on va recoudre cet élastique-là. Mais j'aimerais bien tester ma machine avant de reprendre sur la vraie culotte. J'aimerais tester. Et pour ça, j'aimerais bien récupérer le petit bout d'élastique qui était découpé pour pas gâcher celui-ci. Donc, je vais. Il est peut-être sur le bureau, je vais voir. Est-ce qu'il est sur le bureau? Je l'ai mis de côté exprès, mais je l'ai tellement bien mis de côté que je ne sais pas de quel côté je l'ai mis. Alors là, j'ai des tissus. Est-ce que je l'aurais pas mis derrière? Non. Ça y est, je l'ai trouvé. Il est là, et donc je vais récupérer un petit bout de jersey licorne, voilà, comme ça on va pouvoir faire des essais. Bonjour la friquette, bonjour Fifi, bonjour Christelle. Toujours pas de son, mais Gis, je pense qu'il faut que tu regardes. Alors, je vais lui envoyer un message dans le chat parce qu'elle m'entend pas forcément. Voilà. Puisque tout le monde m'entend par ailleurs, donc je pense que c'est plutôt un problème sur son appareil à elle. Ok, donc on va passer direct sur la recouvreuse. Je l'ai réenfilée et on va tester ça. Alors, je vais recaler la caméra. On va se mettre comme ceci. On va essayer de bien viser là. Voilà. Et c'est parti. Alors, par contre, la pédale, oh, elle est loin. Et
Et donc on va essayer de recoudre. Alors j'ai modifié aussi un petit peu la tension des fils parce que je pense que c'est à cause de ça que ça a cassé la semaine dernière. Donc j'ai desserré un peu les fils du dessus là, les fils d'aiguille. Donc j'ai plus beaucoup de place pour tester là. Bonjour Patricia. Donc on va tester, là c'est en arrondi, tant pis c'est pas très grave. Je teste sur ce bout de... Donc ça c'est le morceau que j'ai décousu, hein. On voit qu'il y a encore des bouts de fil. Je vais le faire dans ce sens là. Et on va tester ça, on va voir au niveau de la tension, au moins pour régler ma tension des fils. Alors, hop, on passe en dessous. Je vais faire quelques points à la main. Donc là, ça a l'air de bien passer. Donc maintenant, j'y vais à la main avec la pédale. Rentabiliser au max ce tissu, oui, exactement. Là, j'ai l'impression que c'est bien. Alors, je vais continuer jusqu'au bout. Même l'élastique, hein. Parce que je pense qu'avec ce morceau-là, je pouvais pas faire une seule couture. Oula! Désolée. C'est mon haut-parleur. Je pense qu'il a vraiment des problèmes. Il va falloir que je regarde ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Ce week-end, je me suis fait plaisir. En tissu et patron. Je suis désolée, Steph, tu peux pas mettre de lien sur... C'est à cause des spams. Je peux pas laisser les liens. Ah oui, sur Makeries, parce qu'il y avait la promo. Il me reste plus que mercerie extra pour les bretelles et dessus de soutien-gorge, mais il faut attendre le 31 là. Oui. Grande de 6 ans, j'aimerais bien. J'ai loupé celui de la Reine des Neiges en rupture. Donc des licornes, ça lui plairait. Ah. Alors je vais coudre, bon, je pense que je vais arrêter par là. Allez, je vais arrêter là. Donc là, il faut que je remonte bien ici. Le pied, il se lève là. J'ai du mal, hein. J'ai l'habitude de la machine à coudre, que la machine, ça se lève au niveau du pied. Ah, j'ai cassé. J'ai cassé un fil. Je sais pas lequel, on va voir. Et voyons voir le résultat. Bon là, ça a bien cousu. Donc avec le fil noir sur l'élastique noir, du coup, c'est complètement invisible, même si, bon, on voit un petit peu sur la rainure. Là, je sais pas si vous voyez bien l'écran. On voit un petit peu la rainure là. Mais mon fil n'a pas cassé pendant la couture. Par contre, il a cassé quand j'ai tiré. Mais je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon quand même. Il a cassé, mais plus loin. J'espère. Je sais. Non, pas de soucis, Steph. Il n'y a pas de problème. Ça n'a pas l'air simple une recouvreuse. Non, c'est pas simple du tout. Surtout quand on a l'habitude des autres machines. En fait, la tension est beaucoup plus dure sur cette machine. Et donc, il faut vraiment tirer beaucoup plus fort. Mais le problème aussi, c'est que quand on tire plus fort, le fil, il casse plus facilement.
Donc on va essayer. Allez, on se lance sur la vraie culotte. Donc c'est parti. Ici, on est vers le dos, donc la couture dans ce sens. Je vais me mettre sur un côté ici, hein. Le pied, il se lève de ce côté-là. Alors sur la culotte, là, il y a des endroits où le fil a cassé. C'est au niveau des coutures en fait. Je pense qu'au niveau des coutures, comme il y avait plus d'épaisseur, ça a un peu cassé. Enfin, il y a des points qui ont sauté. Donc il y a vraiment... Il va falloir que j'apprenne à coudre avec cette machine. Ensuite, ça par-dessus. Donc ce que je fais, c'est que je vais caler le tissu ici sur le trait qu'il y a là sur la rainure. Et puis mon élastique ici, je vais me caler sur le repère qu'il y a sur le pied. Alors je vais faire, je recommence. Là et ici. J'aimerais bien avancer un petit peu mon élastique là. Allez, on va dire que c'est bon. Non, c'est pas bon, je l'ai lâché. En fait, on ne fait pas que des ourlets avec une recouvreuse. Non, pas du tout. On peut faire pas mal de choses. Bonjour Blagada. Comment ça se passe avec la recouvreuse? Mais écoute, là, je m'y remets. Donc là, j'essaye de mettre mon tissu avec mon élastique sous le pied. Mais j'ai que deux mains, alors du coup, pas facile. Allez, il faut avancer. Voilà. Sauf que mon élastique... Je vais y arriver, hein. Je vais le faire comme ça. Je vais soulever le pied comme ça, voilà. En fait, c'est le plus simple. Quand on n'arrive pas, il suffit de... J'arrivais pas à passer l'élastique parce qu'il est vraiment épais celui-là. Donc maintenant, on rabaisse le pied. Je vais faire quelques trucs à la main. Et merci pour le follow. Donc je fais quelques points à la main pour vérifier que mon fil n'avait pas cassé tout à l'heure au mauvais endroit. Je pense que c'est bon, c'est en train de coudre. Et donc, c'est parti. J'étire légèrement parce que c'est quand même une ceinture. Il faut que ça soit élastique et que ça tienne bien. Mais je tire pas trop parce que c'est un élastique qui est quand même assez rigide. Je vais pas aller trop vite parce que j'ai peur que le fil y casse. Alors, commencer. C'est pas mal pour le moment. Mais après, je viendrai recouper ce qui dépasse, hein, en tissu. Bonjour Lily Relie, bonjour Célestine.
Alors là, on arrive à une couture côté. Il faut la mettre du bon côté. Et c'est dans l'autre côté. Voilà. J'ai l'impression que là, on est bon. Le fil, il n'a pas cassé. Peut-être qu'il faut aussi que j'achète un fil plus costaud aussi, peut-être, pour la recouvreuse, je sais pas. Parce que là, j'ai mon fil basique de surjeteuse. Et il arrête pas de casser celui-là. Là, j'ai mon jersey qui roule un peu. Pour le moment, ça marche bien. Allez. Oui, tout à fait. Là, je teste, hein, parce que la machine, je l'ai depuis juillet. Et c'est la première fois que je fais ça à la recouvreuse. Sinon, d'habitude, je le fais à la machine à coudre avec un point zigzag. Ça marche très très bien. Là, je teste. Je fais des essais. Je teste la machine. Mais j'avoue que le résultat, j'aime beaucoup quand même. C'est quand même plus joli avec la recouvreuse qu'avec le zigzag. Mais bon. Il reste des fils de la dernière fois. On va arriver au bout là. Donc là, je vais coudre par-dessus, hein. Je vais superposer les deux bords. Et puis après, je viendrai fermer au zigzag mon élastique. Allez. Donc là, je vais me mettre par-dessus. Allez, j'arrête là. Donc, je vais tout en haut. Je soulève le pied. Je tire vers l'arrière. Alors là, du coup, est-ce que je vais réussir à sortir tout ça? C'est pas dit. Si c'est bon, ça marche. Donc, je coupe les fils du dessus. Je continue à tirer, ça va rentrer les fils et les passer de l'autre côté. Faut d'abord les dénouer parce que sinon ils rentrent pas. Voilà, ils sont passés de l'autre côté. Et là, je coupe. Donc là, il n'y a plus de fils devant, ils sont tous derrière. On va passer sur la table, je vais découper, on va voir ça de plus près. Hop, alors, on va zoomer un petit peu. Hop, donc je coupe mon élastique. Où sont mes ciseaux? Coucou Amy! As-tu fait des réglages? Alors comment dire, j'ai descendu la tension des fils des aiguilles parce que je pense que c'est à cause de ça que ça a cassé la semaine dernière. Donc j'ai diminué la tension parce qu'en fait l'élastique est très très épais comparé à celui-là. Ce qui fait que je pense que c'est ça qui avait fait que ça avait cassé la semaine dernière. Voilà. Donc là c'est coupé.
La technique de couper les fils au-dessus, je dois vraiment tester ça parce que présentement, je prends une aiguille et je les ramène à la main, ce qui est plus long. Ah oui. Là, tu coupes juste les fils du dessus, tu tires et en fait, ils passent au travers et ils se retrouvent derrière. Et ce qui fait que devant, c'est hyper propre. Et après, là, je me demande si en fermant avec mon zigzag, ce serait pas suffisant en fait par rapport à ces fils-là. Mais j'ai peur qu'ils rentrent, qu'ils soient pris dans la machine. Je pense que je vais juste faire des nœuds. Hop, je vais faire un petit nœud comme ça, je vais couper et après on va faire les zigzags par-dessus. Une question sur Poppy. Vas-y, Lily Relie. Pose tes questions. Après, si tu veux, si tu as des questions pendant que tu couds, n'hésite pas à aller sur le Discord pour poser des questions et même pour mettre des photos si des fois pour moi ça m'aide de voir. De voir quels sont vraiment les problèmes. Voilà, donc là, à l'intérieur, c'est nickel, hein, la couture est vraiment nickel partout, c'est hyper élastique, ça craque pas du tout. Que moi, des fois, le zigzag, il craque un petit peu quand même, des fois. Hein. Là, on peut y aller. Hein. Donc, je vais coudre ça. Ou peut-être que je vais d'abord découper le surplus de tissu et ensuite je fais le zigzag. Ouais, on va faire ça. On va découper ce qui déborde ici pour faire plus propre. Je voudrais faire la chemise de Nu Poppy version C avec le volant de la version B et l'élastique sous poitrine et en colure de la version A. Est-ce que... Bien sûr, oui, bien sûr, tu mélanges toutes les versions. Faut que tu prennes les parties de couture sur chaque partie, oui. Alors j'avais acheté les ciseaux. Je vais vous les montrer. J'arrive pas à les utiliser. Les ciseaux spéciaux pour le... Comment ça s'appelle? C'est pas du... Où je les ai mis? Non mais ça va pas. Hein. Je les ai mis où? Je peux pas vous les montrer. Les ciseaux primes avec un petit avec une espèce de truc pélican là où on met sur le qu'on pose à plat sur le truc. J'arrive pas à les utiliser ces ciseaux là. Je sais même pas où je les ai mis. Ah si, ils sont là. Ceux-là. J'arrive pas du tout parce qu'en fait c'est trop serré et c'est hyper dur à ouvrir et à fermer. Donc je pense qu'il faudrait que je les utilise encore et encore pour réussir à le desserrer, mais là c'est tellement serré, j'y arrive pas. Oui, les ciseaux pélicans. Ce qui fait que bah, du coup je suis revenue sur ces ciseaux-là parce que au moins j'arrive à les ouvrir, à les fermer facilement, quoi. Alors que les autres ciseaux sont vraiment faits exprès pour couper ce genre de choses-là, les surplus de marge, mais ils sont tellement durs. Et j'ai essayé de dévisser. J'ai essayé de dévisser, mais j'y arrive pas. C'est vraiment très très bien fermé. Et d'ailleurs, ça se voit. J'ai le pas de, enfin la vis, le trou qui est un peu déformé parce que j'ai forcé dessus. Et oh, j'y arrive pas. Bref. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à fermer ici. Donc je vais faire des zigzags ici, très serrés avec mon fil noir. Donc il faut que j'enfile du fil noir sur ma machine. Et c'est parti. Donc machine à coudre. Oula. Je crois que je suis un peu près de ma machine. On va la déplacer. Comme ça,
mouvement hein, pendant le week-end là au niveau des caméras. Allez, on va mettre du fil noir, du noir et du noir. Voilà, allez. C'est propre avec la recouvreuse, oui, je suis d'accord. Donc, point zigzag très serré, donc je mets sur 1. Et par contre, je vais faire le point zigzag le plus large. Donc, je vais faire de vraiment très très grand. Et c'est parti. Plusieurs allers-retours. Allez, on va dire que ça suffit. Mes ciseaux. Donc là, je vais couper ici en biais. Hop. Pas que ça me gêne trop. Voilà. Et voilà. Bonjour Maria. Couture. Bon, mais voilà. Il n'y a plus qu'à essayer. J'ai fini. La culotte azur assortie au caleçon de mon mari. Trop bien. Et la couture, franchement, la couture à la recouvreuse, j'aime beaucoup le rendu. C'est vraiment très très propre. C'est pas mal. Et après, voilà. Ma fermeture zigzag, je ne sais pas si on voit bien. Ici, là. Ah, je suis contente. Elle est trop chouette, oui, elle est trop chouette. J'ai trop hâte de l'essayer. Allez, on passe à la suite. Trop bien. Je ne sais pas s'il y a assez de soleil aujourd'hui. Je vais essayer de la faire changer de couleur. Ah, il y a assez de soleil. Tadam! Voilà. Non, j'aime vraiment beaucoup. Alors, il faut réussir quand même à dompter la recouvreuse, mais franchement, au niveau des finitions, c'est quand même pas mal, hein. La recouvreuse.
Et ça craque pas du tout comparé au point zigzag qui peut craquer un petit peu quand même. La culotte aux licornes magiques, oui. Magique. Complètement magique. Maintenant, il faut sortir en culotte au soleil quand même, hein. Voilà, on a réussi. On a fini la culotte azur. Donc, je vais la mettre là-bas. Donc, on passe à la suite. La suite, c'était le pyjama de la crafting box. Alors, je vais sortir les trucs là. J'ai tout découpé. J'ai tout découpé. Donc, il y a un short et un haut à bretelles, un top à bretelles. Et malheureusement, je n'ai pas eu assez de tissu pour couper tous les volants. Donc, il faudra que je me débrouille autrement pour faire les finitions. Donc, je ferai des ourlets tout simples plutôt que de faire les ourlets volantés. Ce qui ne m'embête pas trop au final parce que j'étais pas forcément méga fan des volants. Alors, où est-ce que j'ai mis le livret des instructions? Voilà, c'est ça. Donc, c'est Verven, le patron Verven de la crafting box. Je vous mets le petit schéma ici. Voilà. Donc, j'ai pas assez de tissu pour faire les petits volants en bas, ni les volants en haut, ni les finitions au biais. Puisque je n'ai pas eu assez de tissu pour couper ces biais-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du biais blanc que j'ai, du biais de coton. Et on verra ce que ça donne. Mais j'ai vraiment pas eu assez. Donc, peut-être qu'il y a assez de tissu dans la crafting box pour coudre la première taille. Mais pour les plus grandes tailles, il n'y a pas assez. Ça, il manque 20 cm de tissu pour au moins pour pouvoir tout faire. Voilà. Donc ça, je vais le mettre en plus petit. À bientôt Fifi, merci d'être passée. Donc voilà, donc on va faire autrement, hein. Donc c'est un petit peu le jeu hein, avec les box comme ça, c'est que c'est pas dit qu'il y a assez de tissu selon les tailles. Normalement il y en a assez, mais là c'est quand même deux pièces. Il y a quand même un short et un top. Je pense que si j'avais tenté la chemise de nuit, ce serait rentré, mais là un top plus un short sur 1,50 m, c'était trop juste. Donc tant pis, c'est pas grave. On va faire comme ça. Alors, ma petite pince. Où est ma boîte à pince? Là. Donc ça c'est le top, on verra ça plus tard. Ça c'est le top, on verra ça plus tard. Donc on commence par le short sur le livret couture. Donc ça je vais le mettre de côté. Alors, pour une finition propre sur jeté, réaliser couture zigzag sur l'ensemble des bords. Bon, moi, j'aime pas faire ça avant la couture. Je préfère faire la couture et ensuite faire les surfilés. J'aime pas du tout faire dans l'autre sens. Donc, on va commencer par coudre et ensuite, on fera le surfilage. Les pièces, je vais les mettre par terre. Alors, on superpose le dos et le devant. Alors, on superpose les dos et devant et on épingle au niveau de l'entrejambe. Donc, ça, c'est les dos. Et dessus, on va mettre les devants endroit contre endroit. Endroit contre endroit.
On épingle ici au niveau de l'entrejambe. Le tissu, c'est de la viscose, donc pour dormir, ça va être hyper agréable, très doux. Donc, on va coudre ici et on va coudre l'autre côté pareil. Ok. Assembler à 1 cm du bord et ouvrir la couture au fer. Ok. De droit et devant droit. On fait les deux. Ensuite, il y a les volants à faire, mais les volants, on ne les fera pas puisque je n'en ai pas. Je ferai un ourlet simple, je pense. Ou plutôt un ourlet rapporté. Je vais peut-être faire un ourlet rapporté, je sais pas. Est-ce que j'ai assez de biais? Non, je pense que le biais, je l'utiliserai uniquement pour les bretelles. Et je vais juste faire un petit ourlet tout simple. Comme ça. Je ferai juste un petit ourlet parce que je vais pas avoir assez de. Et même ça va pas être agréable à porter d'avoir le bord avec du biais. Alors que là c'est souple et tout, c'est agréable. Donc je ferai juste un petit rempli. Allez, on va coudre ça. Il faut encore que je change mon fil, évidemment. Parce que maintenant on est en blanc. En blanc ou en écru. Ça peut aussi être en écru. Alors, voyons voir. Je pense que je vais même le faire écru. J'ai peur que ça soit trop foncé. Non, je vais le faire en blanc. C'est mieux en blanc. Blanc et blanc. Allez, c'est parti. Hop. Donc là, on va faire un point droit. Je remets mon aiguille au milieu. Donc, faut pas oublier de remettre ces réglages quand on a fait une couture particulière. Hop. 1 cm.
Voilà. Pareil avec l'autre. Et je me demande si je vais pas même faire un ourlet rouloté pour le coup. Comme c'est un tissu qui est très fin, je pourrais même faire un ourlet rouloté. Alors, on repasse la couture. Alors, je ne sais pas si j'ai noté l'endroit où est-ce que on doit s'arrêter au niveau de la couture de l'ourlet du bas. Puisqu'en fait, ça remonte un petit peu sur les côtés. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais juste faire un ourlet simple. Et donc là, il faut que je prenne que 1 cm puisque évidemment, quand j'ai coupé, j'avais pas vérifié, enfin j'avais pas fait en sorte, j'ai juste suivi leur manière de placer le tissu si j'ai fait des crans là. J'ai juste suivi leur manière de placer les patrons sur le tissu. Je me suis dit que tout rentrerait, je ne me suis pas posé la question est-ce que j'aurais assez de tissu, puisque jusque-là, j'ai toujours eu assez de tissu pour coudre les patrons, mais il n'y avait toujours qu'un seul vêtement. Là, il y avait un haut et un bas, donc c'était un peu juste, et j'aurais dû essayer de voir si je pouvais faire ça, si j'avais assez de tissu pour faire les deux. Donc là, j'ai bien marqué le cran, mais je ne l'ai pas marqué de l'autre côté. Alors, est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas noté ici? Je pense que c'est parce que je ne l'ai pas noté. Donc, on va le faire tout de suite. Ah si, je l'ai noté, mais tout petit. Voilà. Ça se verra mieux. Donc là, l'idée, c'est de faire l'ourlet ici. Donc normalement, il fallait faire un petit volant. Mais moi, je vais juste replier sur 1 cm. Peut-être. Une petite dentelle en finition. Ah oui, ça peut être joli aussi.
Sachant que j'ai la dentelle de la dernière box que je ne pense pas utiliser, mais par contre je ne sais pas si j'en aurai assez. Alors on va regarder ça tout de suite. C'est la box numéro 15. Je suis pas sûre d'en avoir assez pour les deux. J'en aurais pas assez pour les deux, j'ai assez que pour un. Dommage, c'était une très très bonne idée. Je vais regarder dans mon stock parce que j'ai aussi pas mal de choses de récupérer de ma grand-mère. Mais je crois pas qu'il y ait des quantités suffisantes. Donc tout ça, c'est dentelle élastique. Ceci dit, je peux aussi. Non, j'ai pas la couleur qu'il faut. C'est, j'ai pas du blanc beige. Voilà, donc tout ça, c'est les dentelles récupérées de ma grand-mère. Pour le coup, elles ont un peu jauni, je pense. Ça ressemble à celui-ci. Mais c'est pareil, je pense que j'en ai la même quantité. On va mesurer. Oh, j'en aurai assez pour faire deux. Je pense. Ça se tente, hein? Ça se tente. On va vérifier ça. Alors si je... Enfin, je vais pas couper en deux, mais je vais mettre une épingle pour vérifier que j'en ai assez avec la moitié de ça. Donc là, on est à la moitié. Hop là. Alors, est-ce que j'en ai assez pour faire le bas? Oui, j'en ai assez. Oh, bon, mais super. On va faire ça. Merci beaucoup, Danicor. Très, très bonne idée. Oups là, désolée. Donc, on se met sur l'endroit. Ensuite, on met la petite broderie anglaise. Là, je vais la mettre endroit contre endroit. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît l'endroit et l'envers de la broderie? Je ne sais pas si il fait bien la mise au point. Pas l'impression qu'il fasse la mise au point. Ah voilà. Donc là, c'est l'endroit parce que l'envers ici, on voit tous les nœuds. On voit tous les nœuds de couture. Donc ça, c'est l'envers et l'endroit, il est là. Donc, endroit contre endroit, on va le mettre au bord. Par contre, on va venir essayer de faire un arrondi ici, ce qui va pas être évident. Pour bien faire, il faudrait faire un petit fil de fronce sur la broderie anglaise. On va tester. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Hop, je vais remonter un petit peu pour pas être hors champ.
Je vais le faire juste comme ça. Oui, c'est ça, je vais juste froncer. Vous voyez, mais j'ai pas envie de le faire. Je vais le faire à la main. Je vais faire des petits plis comme ça. Et je vais mettre des épingles. J'ai pas envie de faire des fils de fronce. Pour la peine, je suis pas allée assez. J'en ai pas pris assez. J'ai pas pris assez de marge. Je vais commencer par le bout. Coucou Leïla. Donc on va commencer comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est que normalement il faudrait que ça aille en biais. J'aimerais bien que ça rentre, que la dentelle soit en pointe, enfin qu'il y ait un petit biais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Et je crois que je vais même pas froncer, enfin très légèrement. Je viens de scotcher cerise. Ok. J'en ai marre des fronces, oui. Tout à fait, Lily Rubin, c'est exactement ça. J'en ai trop marre des fronces. J'en ai assez fait cet été. Allez, on va faire comme ça. Oui, Leïla, on a fini la culotte azur là. On l'a fini il y a 5 minutes. Enfin, 5 minutes, un petit peu plus. Remarquerez que je n'ai pas surfilé mes coutures. Je vais te la montrer. Voilà. Des photos, oui. Du coup, tu es à quel endroit de ton patron là? Alors là, je suis à l'étape 3, donc j'ai remplacé le volant par cette broderie anglaise, cette bordure en broderie anglaise, puisque je n'avais pas assez de tissu pour faire les volants. Oui, je ferai, mais on n'a pas de soleil là, donc. Ça va être compliqué, hein. Merci Leïla. Allez. On arrive au bout. Donc j'ai mon cran qui est juste ici. Non, c'est l'ourlet du bas du short. Ah. Tout à fait. Hydratons-nous. Alors, par contre, je vais mettre ça comme ça. Il faut que je vérifie que je l'ai mis à peu près au même endroit. Où est ma gourde? J'ai eu un souci à l'entrejambe du patron, mais j'ai patronné un truc. Je te dirai si j'ai bien fait. Ok.
Alors, l'autre bout. L'autre bout, il est comment? Pas tout à fait pareil. Je pense qu'il faut pas que je remonte autant ici. Je voudrais en fait que la bordure en dentelle, elle arrive pile au bord. Et donc, je vais faire comme ça. Il faut que ça rentre de 1 cm au niveau du cran, puisque c'est là qu'on va coudre le côté. Allez, on va dire que comme ça, c'est bon. On va tester sur celui-ci, sur cette jambe. Alors que je me... Est-ce que j'ai bien fait? Oui, c'est bon. C'est bon. On peut bannir les pinces. Ce serait pas sympa, j'ai déjà tout épinglé. Les box sont un peu juste en tissu pour ma taille. 48, oui. Alors là, j'ai fait quoi? Je crois que j'ai fait un 44. Un 46. J'ai fait un 46 et oui, j'ai pas eu assez de tissu. D'habitude, j'ai assez de tissu, mais c'est pas un deux pièces, c'est ce que je disais. C'est des pièces uniques. Là, c'est un bas et un haut. Et je pense qu'au niveau de placement sur le tissu, c'est pas pareil. On prend plus de place quand il y a deux choses à couper plutôt que quand il n'y en a qu'une seule grande. Et là, c'est pas rentré. Si j'avais fait la chemise de nuit, je pense que ce serait rentré. Mais là, c'était le pyjama. Bon, allez, à la machine. On va tester là-dessus, sur cette jambe. Et puis, si ça marche, on fera la deuxième jambe. Et sans les lunettes, les deux. Alors, sans pince et sans lunettes, là, vous m'achevez. Donc, je vais coudre ça à 1 cm du bord. Alors 1 cm du bord, ça va être où? Parce que cette dentelle, elle est un peu... Je vais faire comme ça. Là, j'aurais dû redessiner en fait le patron. Je vais le faire. On va redessiner le tissu en dessous. Comme ça, ce sera plus facile pour... Je vais même redécouper carrément la dentelle, la broderie anglaise, pour bien suivre la courbe. Ce sera mieux. Ce sera plus précis. Et je vais même découper à la roulette. Elle est où? Ma roulette. Donc je vais prendre celle-là. On s'y met à deux, ça ne va pas beaucoup avancer. Non, c'est sûr. Ah oui, c'est vrai, j'ai enlevé le champ, j'ai oublié de le remettre. J'ai oublié de le remettre, désolée. Voilà, comme ça, ce sera plus facile de voir où se trouve le 1 cm du bord du tissu. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Allez, je réépingle.
Elle va nous mettre le champ contre 300 000 points. C'est une idée. Est-ce que je me suis trompée de caméra? Non, c'est bon. Allez. Où est le bout? Là. Donc là, c'est beaucoup plus facile de voir où se trouvent les 1 cm de marge de couture. Je rajoute sans machine couture à la main. Non, ça je le ferai pas. Ça va être très mignon. Par contre, du coup, j'ai été un petit peu haut sur le sur la bordure. Vanessa va disparaître après ce stream. Je pense que ça va être très très sympa. Alors, on va repasser ça. On va repasser ça. Je pense que ça va être très très sympa. Je sais, je l'ai déjà dit. Là, je vais faire quelques petits crans comme c'est arrondi. Pour que ça se retourne plus joliment. Donc, je coupe dans la marge jusqu'à la couture, mais sans couper la couture. Ça, c'est toujours la partie qui fait peur. Parce que c'est tellement facile de dépasser. Voilà, l'autre côté, comment tu as eu l'idée de la broderie? C'est, alors attends, je me rappelle plus, je suis désolée, Danny Cor qui me l'a suggéré,
Donc j'étais voir comme la prochaine box, la dernière, on a de la broderie anglaise comme ça qui est fournie avec le patron, mais que j'ai pas du tout l'intention de l'utiliser dans la box. J'ai regardé, il n'y en avait pas assez, et je me suis rappelé qu'en fait j'en avais récupéré plein de ma grand-mère. Et donc j'ai regardé si j'avais ce qu'il faut. Et voilà. Du coup, tu vas peut-être pouvoir utiliser l'autre morceau de dentelle pour le haut. Ben oui, je vais voir. Je vais voir si j'en ai assez. Là, ça tire un petit peu. Je vais couper un peu plus. Je pense qu'il faut que j'enlève un peu de matière là. Je recoupe ma marge parce que c'est trop, il y a trop de tissu. Allez, on va repasser. Alors pareil ici, de l'autre côté aussi, j'enlève un peu de marge de couture dans l'arrondi. Voilà. Mais je trouve que c'est pas mal du tout. Donc j'ai des confettis de tissu. C'est pas grave. Et donc on fera une petite surpiqûre là. J'ai envie de le faire à ma recouvreuse. J'ai envie de faire la surpiqûre à la recouvreuse bizarrement. Mais il faut que je change le fil, j'ai un peu la flemme. Donc je pense que je vais le faire quand même à la machine à coudre. Parce que j'ai pas envie de changer le fil. C'est pas mal, hein? Quand même. Allez, on va surpiquer ça à la machine. Et je sais pas si on aura le temps de poser le deuxième. 25, non, on n'aura pas le temps. J'ai juste le temps de faire la surpiqûre.
Alors, je vais augmenter un petit peu le point parce que c'est une surpiqûre. J'espère que je suis allée assez haut au niveau de ici. Au niveau du côté, j'ai peur que j'ai pas été assez haut. On verra. Donc là, je surpique à 2 mm du bord de la couture ici. Voilà. Voilà le résultat. Je zoome un petit peu. On est un fer à repasser. Et du coup, je ferai l'autre côté pareil, hors live, puisque c'est exactement la même chose. Et puis, on continuera la suite la semaine prochaine. Ouais, c'était vraiment une bonne idée, je suis d'accord, Blagada. C'était une très très bonne idée. C'est chouette de le faire en live, pour la peine. Parce que du coup... Je peux intégrer toutes les suggestions en direct. Alors que si j'avais été toute seule, j'aurais fait tout simplement mon ourlet basique. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, je m'en vais, oui. J'ai ma petite qui va sortir de l'école, donc il va falloir que j'aille la chercher. Comme tous les lundis, c'est court. C'est court le lundi. Mais du coup, il me semble que il y a Ika qui stream là. Il me semble qu'il y a Ika. Oui, elle y est. Bon, bon, je vais vous envoyer chez Ika. On se donne rendez-vous demain matin. Alors Leïla, maintenant, je stream aussi le mardi matin et c'est comme le jeudi, c'est du travail. Et on fera, on continuera le tuto couture, donc c'est du montage vidéo. J'ai enregistré en fin de semaine dernière ce qu'on a écrit en script jeudi. Et du coup, il faut juste terminer, juste. Il y a encore pas mal de boulot à faire, mais il faut terminer la vidéo pour que je puisse l'envoyer sur YouTube. Voilà. Donc demain matin et jeudi, on verra où j'en suis de ma vidéo, mais j'espère la terminer demain quand même. Donc merci beaucoup pour les superbes idées, hein. Merci. Et je vous dis à demain matin si vous pouvez. Et sinon, à bientôt et on continuera la couture de ça lundi prochain. Bonne fin d'après-midi et merci beaucoup et à bientôt. Je vous envoie chez Ika. J'espère que ça marche cette fois-ci. Oui.